Il est la révélation de l'année en Nouvelle-Calédonie. Il a à peine 18 ans et marche pourtant déjà dans les pas des grands compositeurs de folk et de blues australiens. Il est ce qu'on appelle dans le jargon musical un adepte de la mouvance Men Roots. Très roots, très naturel, très feu sur la plage. Jason Mist sent le feu et le bois d'un vieux chalet isolé dans les Blue Mountains d'Australie. Jason Mist, voici deux extraits de son tout premier album, Basha. Transform my journey and make it better, brighter, kinder. Soulful and early, yes, bound to the goodness of the beauty all around. I am now reaching your place that finally I found. I wanna drink and know your fountains and sleep proud by your fire. I wanna smell each of your flowers and burn my roots inside your ground. Myself or seeking for somewhere I could erase the soul when I fell into your arms. It's my meditation place. And so now listen to the waves, you will hear the trees speak. Listen to the wind, you will hear the trees speak. Listen to the birds, you will hear the trees speak. And so many listen to learn, we better listen all the time. A smile on every face, and then I see enough. I close my eyes. I feel a vibration through me. So, brothers, come and let it go and come on with the flow. And bring everyone you find. Bring your good heart and your respect. Bring your love and your open mind. Relax, we up on a mountain or down in the valley. A castle made of sand, or in the dark of fire. Just need to give a good year, or to the things we think we know. And we will simply realize that she is speaking in the air. So now listen to the waves, you will hear the trees speaking. Listen to the wind, you will hear the trees speaking. Listen to the birds, you will hear the trees speaking. So many listen to learn, we better listen all the time. Oh, oh, yeah. Cette chanson s'appelle One Thing Certain. You think you can take my way and make it what you want? My future is not for sale, and I will make it what I want. You'll think, take my destiny and build it with all enemy shoes. But I can make it right, yes, I can build it on my own. You'll come, take my time and waste it all away. I won't obey to all your rules because they mean nothing to me. One thing is out of. I know one thing
You, my friend. Ça va, ça va. Ça va. Alors, ça fait du bien d'entendre ta musique. C'est cool. C'est bon, ça. Bon, Jason, alors là, pour le coup, pareil, biographie compliquée. T'as pas commencé il y a 25 ans. Non. Tu confirmes. Tu viens d'avoir 18 ans. Voilà. Commencer la guitare à 16 ans. C'est ça. C'est le truc qui fait que tu es particulièrement connu en Nouvelle-Calédonie. Ouais. C'est la rapidité avec laquelle tu as appris d'abord une guitare, puis les autres guitares, puis l'album, puis la scène. Ouais, mais quand même, il y a quand même 17 ans de piano avant la guitare. Quoi. Ça, c'est... Faut pas non plus que ça devienne une légende urbaine. Oh, regarde, il a pris la guitare il y a seulement 2 ans. Comme tu maîtrisais solfège, accords, voilà, notes, mélodies. Heureusement, ouais. Et tout ça. Bon, ton album s'appelle Bacha. Bacha, oui, qui veut dire le langage. Langage et en même temps qu'il y a la dimension universelle. Donc c'est juste pour retranscrire mon idée que ben, la musique c'est un langage universel. Donc qui peut être, même si je chante en anglais, qui peut être compris par tous. C'est presque intuitif, instinctif. Et donc finalement, quand tu prends, que ce soit une guitare, une basse, n'importe quoi, voilà, t'es connecté, tu comprends quoi. Bacha, langue universelle, c'est en hindou. Voilà, c'est ça. Tu es très proche de la culture, de l'Inde. Bah et tout ouais, ça. J'ai découvert un peu toute cette philosophie, cette culture, à peu près à l'âge de 13 ans. Et maintenant, du coup, ça se retranscrit dans les paroles que je fais. Je suis très inspiré par les poètes indiens, notamment Kabir, qui est un grand poète indien du 15e siècle. Bref. Et voilà, c'est tout ce message, toute cette philosophie derrière, de paix, d'amour et de respect pour la nature qui me touche, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'assimile souvent donc, à cette vague, là, comme on disait tout à l'heure, main voilà, roots, la politique, l'écologie, voilà. La sérénité, tout va ensemble, en fait. Et tout ce qui va avec. Voilà, c'est un grand mouvement de pensée, on peut appeler ça comme ça, qui finalement retourne à des valeurs qu'on a peut-être un peu oubliées aujourd'hui. Donc c'est pour ça que bah, je profite de ma jeunesse pour pouvoir... pour exprimer ce message, quoi, qui finalement n'est pas mis en avant aujourd'hui. Quoi. C'est ça, et ce n'est pas qu'une utopie. Enfin, on aimerait que ce ne soit pas qu'une utopie. Non, mais je ne pense pas que ça en soit une. La jeunesse, tu le dis, tu t'es jamais posé la question, on t'a jamais dit, mais comment, à peine 20 ans, on peut déjà composer comme un adulte qui aurait des années et des années d'expérience. Pareil pour le mode de pensée, pareil pour l'intérêt... au langage universel, ouais, ça s'explique etc. pas, ça, en fait. C'est... Ton éducation, peut-être ? Ouais, très certainement. D'accord, merci à papa et maman. Mais tout ça, la composition, c'est pas des choses qui s'expliquent, en fait. C'est des choses qui viennent très naturellement. Finalement, j'essaye de pas impliquer mon esprit là-dedans. J'essaye de court-circuiter ce flux de pensée et ça vient naturellement. D'accord. Ok.
T'as des projets pleins, ou en tout cas si t'en as pas, il y en a qui en ont pour toi. Ouais, un deuxième album, et puis ouais, plusieurs petites surprises pour 2013. Genre bon, Beaucoup de collaborations avec d'autres artistes, une petite tournée en France, mon voyage en Inde pour apprendre la chaturangi. Oui, c'est ça, tu pars en Inde. À main de corde, ouais, le 19 janvier. Mais c'est vrai. Ouais, pour apprendre la guitar slide qui n'est pas là, mais c'est une guitar slide indienne, donc avec 22 cordes, donc des cordes de sitar et voilà, sur le, tout nouveau ici, donc voilà, je pense que ça va faire son effet. D'accord, si je te dis deux groupes ou deux musiciens qui t'ont profondément influencé, tu me réponds? Xavier Rude, Léo Kottke. Ok, ouais. Léo Kottke qui m'a... Non, américain, Léo Kottke. Et qui m'a vraiment fait découvrir la guitare 12 cordes en fait. C'est grâce à lui que j'ai commencé la guitare, parce que jusqu'à il y a 2 ans, j'étais dans le piano à fond, pas du tout composition. Et dès que j'ai découvert la guitare, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à composer. Donc voilà, ça a été le déclic. D'accord. Bon, je vais te redemander de remonter sur scène et de rejouer pour le fameux duo qui est de coutume à la fin de nos émissions, Musique Mix. Deux musiciens interprètent un morceau populaire, connu de Nouvelle-Calédonie. Tu as choisi Shipwrecked, qui veut dire naufragé, qui est l'œuvre d'un artiste connu ici, Mike O'Flynn, qui est calédonien, mais en même temps irlandais, mais en même temps canadien. En gros, ton talent et tes goûts n'ont absolument pas de frontières. Et trois d'esprit, s'abstenir. À toi, Joy. I'm sure.
que s'achève Music Mix, voilà, sur le morceau Shipwrecked avec nos deux naufragés, Jason Mist et Mike O'Flynn.